Page d'écriture de Jacques Prévert. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître, et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16. Et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont, et 4 et 4 et 2 à leur tour fichent le camp. Et 1 et 1 ne font ni une ni deux, 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante, et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable. L'encre redevient eau. Les pupitres redeviennent arbre. La craie redevient falaise. Le port-plume redevient oiseau.